Alors, on vient de sortir du procès de Monsieur Charles Onana, qui était un très très bon réquisitoire. Voilà, comme vous le constatez, il est là. Monsieur Charles Onana, après tout ce moment, ce que vous avez vécu, les accusations, la défense et aussi votre argumentaire, quelles sont vos impressions? Écoutez, je pense que la première chose que je veux dire, c'est un énorme merci, quoi. Parce que je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période, qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Concernant votre sécurité, tous les vous êtes des Congolais, des menaces de mort. Qu'est-ce que vous dites? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menaces de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que s'ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif depuis 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne, j'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode
pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter. Mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc, je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Monsieur Charles, quel message ?